Bonjour tout le monde, c'est Ti. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du Endo. Comme vous voyez, je n'ai pas avancé l'hôtel tout simplement parce que je vais vous expliquer ça maintenant. Déjà, on va commencer par regarder en fait le nombre d'espèces qui nous restent en Afrique. Sachant qu'il y a un nouveau DLC qui arrive, j'ai pas fait vraiment attention à ce qu'il y avait en Afrique. Donc il va falloir regarder ça aussi à ce moment-là. Donc il nous reste les bonobos. Le chimpanzé c'est fait, le kobe va se trouver à côté de la savane, il nous reste les flamants roses, ça en fait 3, attendez, on va recommencer, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, les vivariums je vais en faire hein, sûrement, 5, hippopotame nain ça fait 6, les murkata ça fait 7, le manchot du cap ça fait 8, le mandri ça fait 9, le niala non. Est-ce que j'ai mis un oryx à la gazelle? Je sais plus. Bon, on a 9. 9. 10, 11. 11 avec du vivarium. Sachant que je vais sûrement mettre un lémurien avec les varirous. Et les varis noirs et blancs, ou alors peut-être mettre l'immurien avec varis roux et les varis noirs et blancs les mettre à part. Donc il nous reste en fait toutes ces espèces sur cette partie là. Sachant que ici il va sûrement avoir une belle décoration avec des jardins avec de l'eau, donc je vais sûrement faire l'enclos flamant rose devant. Ça va faire classe, je pense. Et donc il faut que on gère pour tout ça. Le problème, c'est que, vous voyez, là, je trouve ça assez joli. Mais là, je trouve qu'il manque quelque chose. C'est pour ça que j'ai une idée. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mon idée va être là. Ça va être une petite, un truc, vous verrez. Je vous en dis pas plus. Et il faut qu'on arrive jusqu'à là, aujourd'hui à peu près, pour que là, on fasse la descente avec le chemin pour faire au moins un enclos, un grand enclos là. Donc je sais pas quelle espèce je vais mettre, mais je pense que je vais mettre une espèce, un primate, lémurien, qui va prendre tout là. Comme ça la cascade va descendre là, tac tac tac, ça va être magnifique. Et la cascade va même descendre à la rigueur, peut-être aussi dans l'enclos des flammes rouges, ce serait cool qu'elle aille jusqu'à là. Du coup je vais faire ça, il faut qu'on arrive jusqu'à là à peu près. Comme ça aussi j'aurai des points d'accroche pour les lémuriens ou les primates facilement vu le terrain, comment le terrain est fait. Mais le problème ça va être la route, il va falloir que je construise quelque chose pour que la route puisse passer et que ça fasse pas trop moche pour qu'elle puisse descendre au moins jusqu'à là en fait, parce que là en fait le tropical il va continuer par là en fait. Faut qu'on puisse tout caler, ça va être en fait dur. Je me suis rendu compte là, il y a encore pas mal d'animaux quoi. Donc on va gérer ça. On va gérer ça. Ça va être un peu dur, mais on va y arriver. Alors pourquoi j'ai pas continué l'hôtel? Tout simplement parce que bah déjà la dernière fois on avait fait pas mal de choses. Je vous rappelle hein, les deux suites et le design un petit peu. Que j'ai besoin en fait de savoir ce que je vais faire ici pour savoir pour commencer à façonner les murs. Et savoir où va être l'enclos flamant rose pour pouvoir façonner ici. Autre chose, on m'a fait la remarque que s'il pleut, et bah voilà quoi. Je vais mettre les plaques d'égout. Hein. Comme ça, s'il pleut, ça ira dans les égouts. Mais il va falloir que je fasse des rigoles aussi pour que l'eau s'évacue dans les égouts. Et peut-être faire un centre de recyclement de l'eau, un truc comme ça. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Pour ce qui est du camion... Wow, t'es motivé toi, tu es où là frère? Eh, reste dans le zoo hein. Pour ce qui est du camion, j'ai fait plusieurs essais, je vous le montre pas. Et je pense que je vais faire un truc assez basique. Où en fait ce seront par pièces détachées. Comme ça je pourrais faire des camions différents. Des roues différentes, un châssis avec des remorques, un attelage différent, ainsi qu'une cabine différente. Comme ça je pourrais faire des camions différents. En les faisant comme des Lego quoi. Donc c'est un peu long à prendre, mais punaise, ils sont grave motivés. Mais ça sera fait. Ah ouais, chaud.
Ah ouais, c'est les gens de l'hôtel que j'ai mis là-bas. Ah ouais, bah oui, bah ils me servent de... Comment ça s'appelle? De... D'échelle, pour savoir si je fais à la bonne taille les meubles. Donc voilà, il y a ça. Donc j'ai réfléchi ça, tout ça, à l'emplacement des enclos, à ce que je compte faire à côté. Il y a aussi le DLC qui arrive. Et je me dis que le DLC pourrait rapporter des trucs en plus. Donc j'aimerais bien, pour la déco en bas, mettre du DLC. Parce que c'est des trucs tropicaux. Et on est dans la saison tropicale. Donc ce serait trop trop cool. Donc il y a ça comme problème. Et puis c'est tout, je crois. Donc aujourd'hui, je vais rien faire dans l'hôtel. Je n'ai rien fait dans l'hôtel. J'en ferai pour jeudi prochain. Je vais faire sûrement cette partie-là jeudi prochain. Comme ça, il restera encore lundi. Jeudi prochain. Comme ça, voilà, il restera lundi, lundi 3, où je ferai peut-être quelque chose dans l'hôtel. Je pense que je vais décorer l'intérieur avec l'intérieur des couloirs et etc. etc. Finir la réception. Et après, il y aura le DLC. Et donc, je vais pouvoir construire avec le DLC. Ce qui sera plus sympa, je pense. Ça va amener de nouvelles choses. Après, il ne faudra pas m'en vouloir parce qu'il faudra que je présente le DLC aussi avec tous les animaux. Donc, ça va faire une vidéo par jour en plus. Donc, si j'avance pas vite l'hôtel, bah, vous saurez pourquoi. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à ça, je pense, à tout ça. Toute cette partie-là. Pour faire quelque chose de plutôt sympa. Qui ne soit pas juste une route avec sur le côté une barrière. J'ai une petite idée de ce que je vais faire ici. Et puis vous allez voir pour le. Ah ouais, punaise, je viens d'avoir une idée pour l'heure. Et puis vous allez voir pour le reste. Du coup, je vais aller faire mumuse et puis je vous reprends tout à l'heure.
Thank you.
Heureux tout le monde! J'ai pas vu le temps passer, j'ai mis beaucoup de temps à faire tout ça parce que bah, je kiffe en fait faire ça. Et les idées affluent au fur et à mesure, donc c'est assez embêtant. Alors, j'ai continué la petite barrière qui est là, que je trouve assez mignonne en fait. Et on passe d'un climat un petit peu prairie désert, même si j'ai rajouté un peu de tropique. À tropical, plus tropical qu'autre chose. Oh, j'ai oublié de faire la nourriture pour les singes. Faut que je la note. On avance, donc là on voit arbres, lianes, végétation, tout ça. On arrive à cette petite place que j'ai mis en support avec ça. C'est une place que je voulais faire pour en fait faire en sorte que la ligne ne soit pas que d'un côté et que sur l'autre côté il y ait quelque chose quand même à chaque fois. Et du coup, je voulais faire une sorte de place pour avoir une belle vue sur l'hôtel et sur tous les animaux qui vont être tout autour de l'hôtel. Et je pense que ça peut être très cool. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Bah déjà, eux, ils vont... c'est cool. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Donc, c'est un petit peu à étage parce que vous savez que j'aime pas quand c'est trop plat. Alors, j'ai soulevé. J'ai mis tout autour une barricade que j'aime beaucoup, hein, une barrière assez simple, avec un sol qui est vert, mais ça rend trop bien. Avec des bambous qui sont reliés par les cordes, oui, je me suis embêté à mettre toutes les cordes entre elles, et je trouve que ça rend vraiment assez bien. Les lampes sur le côté, ainsi que les petites guirlandes pour faire joli la nuit. Des sortes de jardinières qui ressemblent à des bennes, mais ce sont bien des jardinières. Et on se retrouve avec un truc plutôt stylé, je trouve. Bien sûr, il va avoir des rochers, de la végétation sur tout le tour. Vous en faites pas, là aussi. Et je trouve plutôt l'ambiance assez sympa. Bon, ce sont des petites cabanes assez simples. Mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple et fonctionnel et très mignon. Moi, j'aime beaucoup. Je dois dire que c'est plutôt plaisant. Et puis voilà, regardez en plus si ça. Regardez, ça s'assoit là. Moi c'est bon, moi, je suis au paradis. Donc voilà. Ensuite j'ai creusé une petite galerie qui va ici, qui va amener à deux vivariums. Et hop. Et plus cette immense serre. Va falloir que je mette des trucs pour éviter que les gens aillent dedans. Qui sera en fait une sorte de présentation d'un coin de forêt, on va dire ça comme ça, avec dans ma tête j'ai une petite attraction, mais je pense que ça va pas être possible, mais on verra ce que ça va faire. Mais je vais présenter ce côté-là, ça va faire style forêt, et ce côté-là, ça va être style petite grotte pour être adéquate avec la grotte qui sera tout là, grotte verte, enfin avec les pierres marron vertes. Ça va être sympa. Surtout que les deux animaux qui seront là, ce seront normalement le crapaud, enfin un insecte tropical et le crapaud tropical. Donc ça ira. Résultat, ça m'a pris 5 heures pour faire tout ça. Attendez, non, je calcule. 13h30, 14h30, 15h30, 16h30. Ouais. J'extrapole. Ça m'a pris 3 heures. 3 heures, 3 heures et demie. J'espère que ça va pas faire trop long. Je vais sûrement couper les moments où je mets les cordes à chaque. Mais voilà. Et en plus, la place. Regardez cette place, elle se prend fuite. Et c'est trop beau. Bon, par contre, après, il faut pas enjamber le machin. Hein. Mais regardez, c'est à bonne hauteur et tout. La place est magnifique, j'adore. Et vous voulez voir de nuit? Oui. D'accord. De nuit, ça donne ceci. Ça reste très coloré, ça reste très lumineux et c'est très beau. J'adore. J'adore. Donc voilà. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire? La prochaine fois, on va s'occuper de cette partie-là pour voir les vivariums et puis cette partie-là. On va aller jusqu'à là. En haut, je pense que je vais construire la route pour qu'elle descende, pour me délimiter le passage. Ça va être tip top. Il n'y aura pas d'autres, je pense pas en mettre d'autres.
Une seule, ça suffit. Mais franchement, ça rentre. Et je suis. Je m'en rends pas compte, mais ça rend vachement bien en fait. Quand je construis, je m'en rends pas compte. Mais là, je trouve que ça rend plutôt bien. Et ce côté terrasse, je l'aime bien. Oh, ouais, j'ai très hâte. J'ai très hâte de continuer. Du coup, moi, je vais vous laisser là. Ouais, je vais vous laisser là. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. En off, ouais, j'ai pas mal de choses à faire en off, je les ferai. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais par pitié, pas des idées qui me disent ah, oh, et bien du coup, vu que tu vas peut-être faire un truc pour le recyclage de l'eau, bah on est en Afrique et il y a plein de soleil, alors pourquoi pas une centrale électrique pour. Ouais, voilà, ouais, vous avez compris quoi. S'il vous plaît, soyez gentil avec moi. Un peu de pitié. Donc voilà ce que je vais. Voilà. Mais les petites idées, comme le truc pour les singes. Pour de la déco, etc. Je suis preneur. Du coup, je vais vous laisser pour de bon cette fois-ci. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.